Psaume 3. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Jusque-là, la lecture. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, cette parole qui nous éclaire. Te remercions d'avoir inspiré à David, le roi, l'homme selon ton cœur, ces psaumes, ces exemples qui nous aident dans notre louange, qui nous aident à crier vers toi. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux pour que nous puissions recevoir de ta part ce que tu aimerais que nous entendions et que nous puissions ainsi appliquer cela dans nos vies pour pouvoir chercher à te plaire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un psaume assez court, 8 petits versets. Et David est en train de nous montrer un exemple extraordinaire. Ce que nous allons voir, David venait de vivre quelque chose d'épouvantable. Avec les luttes, avec les lunettes de la chair, des gens lui auraient dit, ils auraient pu lui dire, vas-y, lâche-toi, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu, mets-toi en colère contre lui. Dieu ne t'aime pas. Les gens lui auraient dit, tu aurais raison de te mettre en colère avec Dieu. Mais lui choisit une autre voie. Et c'est ce que nous allons voir. Je vais commencer par, en fait, la dernière phrase du psaume. Parce que je pense que cette dernière phrase donne le cadre à tout ce psaume. Donne le cadre à ce que désire ultimement l'auteur du psaume. Il dit « Que ta bénédiction soit sur ton peuple ». Il n'est pas seulement en train de chercher son intérêt personnel. Il cherche le bien de tout le peuple. J'en parle parce qu'on pourrait se dire, en lisant ce psaume, mais il a l'air bien arrogant, le David, là, avec tous les « je », les « mon », les « mais ». Tu brises les dents de mes ennemis. Mais si on tient compte du fait que son désir, c'est pour la bénédiction du peuple, on ne tombe plus dans ce piège-là. Si on garde cette dernière phrase en tête, en étudiant l'ensemble du psaume. C'est le premier psaume qui a un en tête. Et dans la plupart de votre Bible, la première phrase va être en retrait, en italique, quelque chose de ce genre-là. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Il est écrit d'une autre manière. Excusez-moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est un commentaire ajouté par l'éditeur ou par la personne qui a compilé les psaumes. Cette en-tête fait en fait partie de l'épître, du texte original en hébreu. Il fait partie de ce qui est inspiré du Saint-Esprit. Ce petit en-tête, psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom, c'est une indication importante pour la compréhension de ce psaume. David a écrit ce texte alors qu'il fuyait devant son fils Absalom. Absalom était le troisième fils du roi David, réputé pour être le plus bel homme du royaume. Il avait une magnifique chevelure très longue. J'ai une fois vu quelqu'un juste faire un petit exercice
Il dit, enlevez le mot Absalom de ce petit en-tête et ça va sonner un peu différemment. Psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils. Fuir devant son fils. Il était en train de fuir son fils. La terrible histoire d'Absalom avait commencé 9 ans auparavant. La sœur d'Absalom avait été violée par un de leurs demi-frères. Après une série de ruses, Absalom réussit à organiser l'assassinat de ce demi-frère. Et il se trouve contraint à fuir. Il va vivre dans une autre ville, très loin de son père. 3 ans plus tard, David accepte de réhabiliter Absalom et le laisse revenir à Jérusalem. On peut dire que David avait été plus que bon envers lui. David avait d'ailleurs un amour énorme pour ce fils. Son amour était d'ailleurs tellement énorme que quand il a fini par mourir, il était tellement dans le deuil tellement fort, que tous ces gens qui avaient risqué leur vie pour le sauver étaient tous honteux et ils ont dû reprendre David parce que le peuple allait peut-être se tourner contre lui. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. David avait été bon. Absalom peut revenir à Jérusalem. Ensuite, ce qui se passe pendant une période de 4 ans, c'est que Absalom se met au travail. Il se met au travail pour se mettre lui en avant, pour augmenter sa popularité. Et en même temps, il dénigre son père. Il s'arrange pour devenir plus populaire et il s'arrange pour que son père devienne moins populaire. Si vous voulez lire dans 2 Rois, 2 Samuel, les versets 12, 13, 14 et 15. Si vous voulez lire l'histoire dans son entièreté, il y a plein de détails que je ne donne pas. Et pour finir, il devient très populaire et tout d'un coup, il se proclame roi lui-même. Et David se trouve contraint de fuir d'urgence. À l'époque, quand quelqu'un prenait le trône autrement que par une succession en règle, il fallait tuer le roi qui était en place et toute sa famille pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui puisse réclamer la légitimité du trône. David était carrément en train de courir pour sa vie. Il rassemble quelques fidèles, les quelques fidèles qui lui restent, et il quitte Jérusalem. Et détail important, il passe par le mont des Oliviers pour quitter Jérusalem. C'est ce qui est raconté en 2 Samuel 15, 30. David gravit le mont des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait nu-pied. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. Les gens qui ont visité Jérusalem nous le racontent. Quand on monte le mont des Oliviers, on peut tourner la tête et on voit une montagne un peu plus petite. C'est la montagne du Temple. Et c'est là, à l'époque, que se trouvait le Temple de Jérusalem. C'est ce que David pouvait voir s'il tournait la tête. C'est le premier jour de la fuite. Mais quand on lit ce psaume qu'il a écrit, probablement quelques jours plus tard, on le sait, il n'est pas resté dans cet état d'esprit. Il déplore pourtant le nombre de ses ennemis. « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. » Son fils qu'il aimait en voulait à sa vie. Et on apprendra qu'il apprendra petit à petit
Ah oui, un tel a rejoint Absalom. Un tel a rejoint Absalom. Tous ces gens qu'il aimait, tous ces gens sur qui il comptait, l'avaient trahi. Le sentiment de trahison devait être terrible. Il avait été lâché. Et puis ces gens se mettaient à dire probablement la chose la plus terrible qu'on pourrait dire de quelqu'un. Pas de salut pour lui auprès de Dieu. On peut se faire insulter, on peut se faire... Les gens peuvent dire beaucoup de choses à propos de nous, mais ça doit être la pire. Pas de salut pour lui auprès de Dieu. On a un exemple de une de ces personnes qui parlait comme ça de David. Parce que pendant sa fuite, à un moment donné, sur la colline d'en face, il y a un homme qui s'est mis à crier, à insulter, à jeter de la boue, jeter des pierres sur David. C'était un homme du nom de Shimei. Et voilà ce qu'il a crié. « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaut rien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Voilà les phrases que David entendait. Les gens étaient en train de dire qu'ils pouvaient s'en prendre qu'à lui-même. À leurs yeux, tout ce qui lui arrivait était mérité et même voulu de Dieu. On peut qu'essayer d'imaginer l'état de désespoir dans lequel il aurait dû se trouver. Mais il n'en est pas ainsi. Parce que juste dans la phrase d'après, il dit « L'Éternel est mon bouclier ». La bouclier, c'est la protection dont on a besoin quand on est sur le terrain de bataille, contre les lances, les épées, les flèches. Il dit « L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma gloire ». Je vais un peu m'attarder là-dessus. L'Éternel est ma gloire. Quelles sont les choses qui pourraient faire la gloire d'un être humain ? Les hommes font de leur fortune leur gloire. Les hommes font de leur beauté leur gloire. Les hommes font de leur succès leur gloire. Les hommes font de leur popularité leur gloire. Les hommes font de leur influence leur gloire. Les hommes font de leur pouvoir leur gloire. Les hommes font de leur possession leur gloire. David avait toutes ces choses, on peut le dire, mais il décide. Il choisit que c'est Dieu qui est sa gloire. L'Éternel est sa gloire. Nous pouvons faire de Dieu notre gloire. En toi, je sais qui je suis. Si nous faisons de notre identité d'enfant de Dieu notre bien le plus précieux, il sera notre gloire. Et nous pourrons crier avec David, nous pourrons crier à Dieu, nous pourrons lui dire « Tu es ma gloire ». L'Éternel est son bouclier, l'Éternel est sa gloire. L'Éternel est celui qui lui relève la tête. Souvenez-vous, peu de temps auparavant, il était en train de marcher la tête couverte, les pieds nus, tout triste. Mais après ce cri, Dieu lui relève la tête. Est-ce que nous ne sommes pas souvent, comme on dit, les yeux dans le guidon? On garde les yeux fixés sur nos problèmes. David aurait pu se mettre en colère, jeter la faute sur Dieu. Mais le Seigneur désire qu'il relève la tête, qu'il regarde les choses selon la perspective de Dieu, qu'il regarde les choses à la lumière de l'éternité, qu'il regarde les choses d'après le bien du peuple. Ne l'oublions pas, c'est le Seigneur et celui qui relève notre tête. Remarquez aussi la manière dont il crie. Il crie à pleine voix. Je pense qu'on compte peut-être un peu trop sur nos prières silencieuses. Comprenez-moi bien, il n'y a pas de mal à prier silencieusement. Dieu, il entend. Il y a peut-être juste quelques petits
des avantages avec la prière silencieuse. Un des avantages, c'est qu'il y a moyen de tricher. Je pourrais dire « je prie beaucoup » alors que je ne prie pas du tout. C'est possible. Personne ne pourra venir contrôler. Un autre problème, c'est que quand on prie de manière silencieuse, très vite, il y a le film de la veille ou de ce qu'un tel a dit qui commence à tourner dans notre tête aussi. Et on n'est plus en train de prier. Mais quand on prie tout haut, ben on est obligé de formuler des phrases, on est obligé de se focaliser sur ce qu'on dit. Et une autre chose très importante avec la prière, quand on prie tout haut, c'est que quelque part on va devoir s'engager par rapport aux mots qu'on prononce, surtout quand on le fait en public. David crie à haute voix. Quand on est dans un moment de désespoir, comme l'a été David, un cri vers Dieu à haute voix peut faire beaucoup de bien. Moi, ce que je vais vous dire, essayez et voyez où ça va vous mener. David, en tout cas, lui, il reçoit sa réponse. En quittant Jérusalem, il tourne la tête en montant le mont des Oliviers. Il voit la montagne du Temple, la montagne sainte, et le Dieu qui y résidait lui a répondu. Dieu n'avait pas vraiment besoin d'un temple pour y habiter, mais il a autorisé la construction de ce merveilleux bâtiment. Il l'a autorisé pour que il puisse symboliser sa présence au milieu de son peuple. Aujourd'hui, Dieu réside dans nos cœurs. Et chacun de vos cœurs sont des montagnes saintes duquel le Seigneur peut répondre en son temps, à sa manière. Sa manière, c'est la meilleure façon. Son temps, c'est le meilleur moment. Puis David est apaisé. Et ce n'est pas simplement un petit soulagement instantané. David arrive même à dormir. La première victime de notre stress, c'est notre sommeil. Et quand le sommeil n'est pas de bonne qualité, il y a une panoplie d'autres problèmes qui en découlent. Et même là, Dieu veut faire une différence. La prochaine fois que vous avez du mal à dormir, à cause d'un souci, d'une inquiétude, d'un gros problème, essayez ceci. Levez-vous, éloignez-vous un peu. Le but, c'est pas de réveiller toute la maison. Et criez à haute voix à votre Dieu. Et puis retournez au lit. Essayez, regardez où ça va vous mener. Lisez le psaume 3 en le faisant peut-être. En tout cas, David trouve le sommeil et quand il se relève, il est rafraîchi et prêt à affronter un autre jour avec son Dieu et peut-être même un jour difficile. Peut-être un autre jour où il va apprendre qu'il a été trahi par quelqu'un. Peut-être un autre jour où il est encore en train de risquer sa vie. Mais il attaque avec son Dieu en qui il reconnaît. Son bouclier, il attaque avec son Dieu qu'il reconnaît être sa gloire, celui qui relève sa tête. Attention, il a raison. La raison qu'il arrive à faire cela, c'est parce que l'Éternel est son soutien. Il a la même attitude que Paul va avoir beaucoup plus tard. Quand il écrira Romains 8, 31, l'apôtre Paul, c'était un autre serviteur de Dieu. Il se trouvait en prison cette fois-ci. Son avenir était plus qu'incertain. Et c'est dans ces conditions-là que Paul a écrit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Revenons à David. Il le sait,
Dieu est avec lui, personne ne pourra être contre lui. Il n'a plus peur. Ses ennemis sont pourtant nombreux, mais il dit, je n'aurai pas peur des milliers qui m'assiègent de tous les côtés. Et c'est un peu dans la continuité de ce qui a été dit dans le psaume 2. Les puissants du monde s'unissent contre le Père et le Fils, mais celui qui siège dans les cieux ne s'en alarme pas. Dieu ne va pas s'en alarmer. David ne va pas s'en alarmer non plus. Regardons un peu le contraste. Encore une fois, ceux qui sont avec Dieu, il est leur bouclier, il est leur gloire, ils relèvent leur tête. De l'autre côté du contraste, ceux qui sont contre Dieu, ils les giflent, ils brisent leurs dents. Ce ne sont que des images, mais la réalité est bien pire. Quand il y a conflit, peut-être que l'idéal c'est de se tenir à l'écart, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis parfois, il y a des hommes de Dieu qui ont besoin d'être soutenus. Si on doit choisir un champ, choisissons celui pour lequel le Seigneur va combattre, parce que le salut lui appartient. Il sauvera ceux pour qui il combat. Il confond ceux contre qui il combat. Et quand tout sera dit, c'est son peuple qui sera béni. Il y a une personne qui est passée par un arc similaire que celui de David. Quelqu'un qui a été abandonné de tous, même de ses amis les plus proches. Lui a même été abandonné du Père. Parce qu'il a dû crier, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les gens se sont moqués de lui. Il disait, « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. » À leurs yeux, quand Jésus était sur la croix, ils étaient en train de dire, « Il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. » Mais Jésus s'était mis dans cette position, volontairement, pour notre salut. Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié. Dieu est sa gloire. Dieu l'a relevé. C'est lui que Dieu a ressuscité. C'est grâce à Jésus que nous découvrons que le salut appartient à l'Éternel. Si on est de son côté, il combattra pour nous et il nous relèvera notre tête. Il se peut qu'on se trompe de côté dans les conflit ici-bas, mais dans le conflit cosmique ultime entre le serpent et le Fils de l'homme, nous sommes du bon côté. Il est notre bouclier, notre gloire, celui qui relève notre tête. Il nous sauve du péché et quand tout sera dit, c'est nous, son peuple, qui serons bénis. Prions. Seigneur notre Dieu, je te demande pour que, aujourd'hui, nous puissions nous rendre compte, plus que jamais, que tu es notre bouclier, tu es notre gloire, tu relèves notre tête. Seigneur, il y a des personnes ici qui vivent des moments difficiles. Certains pour lesquels on est au courant, certains pour lesquels on ne l'est pas. Certains pour lesquels tu es le seul à être au courant. Mais Seigneur, je te prie pour que, s'ils crient vers toi à pleine voix, tu puisses les entendre, leur répondre de ta montagne sainte, qu'ils puissent trouver en toi un bouclier, qu'ils puissent trouver en toi leur gloire et relève la tête de ceux qui souffrent aujourd'hui. Et merci parce que tu nous relèves tous.